ici Londres. Cette guerre est une guerre mondiale. Un ami viendra ce soir. Radio Paris. Les Français parlent aux Français. Paris, Paris, à vous. Libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. 25 août 1944, devant l'hôtel de ville de Paris, le général de Gaulle a prononcé les paroles tant attendues depuis 4 ans. Les Français ont pu vivre ces instants historiques en direct grâce à la radio. À Londres, la BBC a retransmis l'événement minute par minute. Puis dans la capitale française, des ondes à nouveau libres ont assuré le relais. Depuis le 16 août en effet, Radio Paris a laissé la place à la radiodiffusion de la nation française. Nous excusons auprès de nos auditeurs de la mauvaise qualité technique de cette émission, mais plus que nous parlons du temps d'un téléphonique de l'hôtel de ville, vous avez prévu de vous L'équipe des Français désormais libres reste en place jusqu'au 22 octobre 1944, date de la dernière émission de Radio Monde. L'heure des adieux et des remerciements à ceux qui, pendant plus de 1500 soirs, ont aidé les Français à surmonter les pires moments de leur histoire, de notre histoire. Nous les remercions parce qu'alors que nous étions contraints au silence, alors que nous étions obligés de cacher nos noms sous de fausses cartes d'identité, alors que nous étions obligés de tout subir, ils ont été nos porte-paroles. Ils ont dit ce que nous aurions dit s'il nous avait été possible de parler. À leur retour en France, ces Français qui ont parlé aux Français vont devenir des héros. On ne connaissait pas leur visage, on va les reconnaître partout. À leur voix. Dans la rue, dans les magasins, dans les restaurants. On va les remercier, les embrasser, les fêter, plus qu'aucune star ne le sera jamais. Ils s'appelaient Maurice Schumann, Pierre Brossolette, André Gillois, Jacques Duchesne, Yves Morvan, Pierre Bourdan, Jean Oberlé, Maurice Van Mopes, Brunius, Pierre Lefebvre, Pierre Dac, Georges Boris, Henri Hauck, André Labarthe, René Cassin, mais aussi Jacques Bingen, François Quilici, Emmanuel D'Astier, Jean-Louis Crémieux-Briac, et aussi Ève Curie et Lucie Aubrac. Tous ont mérité devant l'histoire que leur nom figure à la meilleure place au Panthéon des Ondes.